Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mini let's play pardon, sur Omerta, City of Gangsters. Donc voilà, on continue notre mini let's play. On va juste faire je pense une seule mission et puis après on s'arrêtera là pour le let's play. Bon, ça dépendra de la durée de la mission mais on verra bien. Donc là on avait fini la première, enfin les deux premières oui. La tuto et puis la deuxième tuto aussi. Et là, on a le choix entre trois missions, ce qui est plutôt sympathique, hein, déjà, un choix dès le début. Enfin, un choix. Je pense qu'il va falloir toutes les faire, mais bon, c'est déjà plutôt sympa de savoir... Enfin, de se poser la question par où commencer en premier. Donc, on a un Robert premier, King là. L'un des hommes les plus riches d'Atlantic City. La prohibition ne l'a pas épargné. Il a dû vendre sa distillerie. Incapable de payer ses dettes, il a perdu la tête et s'est tué. Tout ce qui reste de Robert King, c'est un entrepôt rempli de Whiskey King liqueur confisqué. Je veux ce whisky et j'ai un plan pour le récupérer. On a juste besoin d'infos et d'argent. Le roi est mort. Longue vie au nouveau roi de l'alcool. Donc voilà, on a une mission là où on doit récupérer une distillerie. Dans ce secteur là où la présence policière est très faible, donc c'est plutôt bien. Et donc il y a un mec qui était le roi de l'alcool. Et finalement, on peut essayer de récupérer dans cette mission sa distillerie. Pour notre propre gang. Après on a une autre mission. Louis Castaneda m'a demandé de faire un truc pour lui. Encore un de ses problèmes à résoudre. J'en ai marre d'être le toutou de Louis. Mais c'est lui le boss. Pour le moment. On va sur Baltic Avenue les gars. Les petites frappes ont oublié où était leur place et veulent reprendre le territoire de Louis. Il faut leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Alors là, on est à Baltic Avenue, où là, c'est une mission pour Louis Castaneda, là, le mec qu'on avait vu dans la deuxième mission. L'espèce de boss là qu'on avait vu dans la deuxième mission. Où en fait, bah voilà, là, on doit corriger un petit peu des petites frappes. Et pour récupérer le territoire, mais là, ce sera pour Louis, enfin pour Louis. On va dire que ce sera pour nous, mais c'est... On va dire que c'est pour Louis. C'est une mission pour lui, donc il me présente... policière faible et on n'a pas les mêmes récompenses. Là on a un membre de gang et deux fois, enfin taille plus un au niveau du gang. Et on a Northside. Et là c'est le Ku Klux Klan. On fait des dégâts, elle brûle des bâtiments et terrorise des quartiers pauvres de la ville. S'attaquer au Ku Klux Klan est risqué, mais ça nous ouvrira un nouveau territoire. On pourrait même se faire de nouveaux amis. Alors là c'est une mission intéressante. Carrément, c'est une mission où il faut s'occuper du Ku Klux Klan, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est on va dire une organisation religieuse, ouais, religieuse ultra raciste, qui a encore d'ailleurs aux États-Unis. Et donc voilà. Donc c'est sûrement le quartier des pauvres, c'est sûrement le quartier où il y a des noirs. Donc du coup, comme ils sont très très racistes, mais voilà, forcément ils aiment pas tellement ça, donc là on serait là pour faire le ménage et du coup aider les pauvres et se faire du coup des amis avec des récompenses différentes, une nouvelle fois, membre de gang, taille de gang plus 1 et un petit level up. Je sais pas, on va peut-être s'attaquer au Ku Klux Klan parce que nous on aime bien sauver les pauvres, hein. On est un méchant, on est le chef d'un gang mais nous on est quand même sympa, on a quand même bon cœur. Donc on va aller aider des gens qui en ont besoin, se faire des amis, parce que c'est la base dans ce métier. Ce qui compte, c'est avoir les bonnes relations. Donc, on va se faire des amis. J'ai entendu des gens parler de vous. Attention, vous mettez les pieds. La chanteuse que vous voyez ici connaît bien le quartier. Ici, c'est ma ville, mes gens. Je sais pas pourquoi vous êtes ici, mais il va falloir gagner notre confiance. Ouais, ça, je me doute. Donc là, on a une taille de gang de plus. Et je vais prendre Squig. Bah oui. Pas de soucis, je prends Squig. Alors comment je joue déjà au jeu, je me souviens plus depuis l'autre fois. J'ai trop con. Alors, vous voulez nous rejoindre? En parler ne vous y aidera pas. Montrez-nous que vous en êtes capable. Alors écoutez, beaucoup de gens ont touché le fond ici. Des clochards et des ivrognes qui n'ont plus rien. Une soupe populaire leur apportera un repas chaud et un peu d'espoir. Mais ça coûte cher un peu. Oui mais non, mais ça coûte cher. C'est populaire. S'il te plaît, moi je veux d'abord faire une distillerie. Le mec tu sais. Je veux d'abord faire une distillerie. Combien j'ai? Oh j'ai des sous, ça va, 4000 balles. On va donc on peut pas faire à la tienne, donc on va y aller comme ça avec lui. Laisse le doc s'en occuper. On a d'autres points d'info. Ici on a déjà une distillerie. On pourrait acheter de l'alcool, ça coûte cher déjà, oui ça coûte cher. Il y a pas un entrepôt, les entrepôts c'est bien par contre. Là, il y a un local commercial et il y a un bar clandestin.
qu'on peut racheter. Et il faut 250 d'argent sale, mais il faut avoir des relations chaleureuses. Ah. Il a fini. Ne faisait pas le poids. 5 sites intéressants, bureau d'un fonctionnaire, des bureaux ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, une source d'information. Baratiné. Il faut un respect de 30. D'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord, il y a un truc un peu différent là. On est aussi, il suffit pas d'avoir des sous. Baratiner ou boire, hein, il suffit pas d'avoir des sous là. Le concessionnaire qui est là. Bar clandestin, ouais, donc là on a pas énormément de possibilités dès le début, ouais, mais faire une soupe populaire ça nous coûtera cher. On va aller louer ça quand même. Et on va louer le bureau là. Et on a des petits trucs, on peut faire des petits coups par là. Ça vaut le coup. Le plus grand des États-Unis. Ça vaut le coup. De me le dire deux fois. Alcool, ils vendent 10 alcools pour 300, 15 alcools pour 400. Ouais, c'est encore un peu cher. Vend cette arme, lui. Hey, soldat, il est bon. Hop. Oui, mon ami. On va récupérer un petit peu des trucs par-ci, on par-là. Jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on a loué ça, le bureau. On va fonder une petite. C'est un bureau. Une soupe populaire nécessite un repère niveau 2. Ah oui, c'est vrai. Donc on va faire une brasserie. Un vrai patron doit mettre la main à la pâte. On va faire une brasserie. Travailler me donne soif. Et ici on va fonder. Et du coup j'aurais peut-être pas dû le faire parce que ça va me. Ça va me. Grossiste, tu fais quoi? Mais après il faut. Il faut un repère niveau 2. Pour faire un repère niveau 2. Ah, il faut juste 500. Oh, bah, on va faire un repère niveau 2. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, propriétaire du bar clandestin est content de vos nouvelles chaleureuses. Bar clandestin, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, chaleureuse, on peut racheter. On va racheter le bar clandestin. Il est bon de faire des affaires. Ah. Je suis certain que vous voulez en faire d'autres. Alors, je suis sûr que vous serez pas hein, pour refuser. Supplémentaire, bien sûr, j'achète, ouais, vas-y, c'est pas. On va pas chercher les dénoises. Eh bien, regardez un peu ce qu'on a là. Pour 20 bières. Non, merci, là on risque pas, donc. Alors là, ici, on va fonder du coup une soupe populaire ici. Par contre, on a plus beaucoup de thunes maintenant. Est-ce qu'on peut améliorer? Ça coûte cher. Ça commence à coûter cher, là, on va se calmer un petit peu sur les sous-sous. Elle, est-ce que je peux la virer? Elle me coûte cher quand même. Hein. Ouais, je vais la virer parce qu'elle me coûte cher. En plus, elle a pas d'armes. Je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Je préfère le Squig. Il est bien moins cher. Donc on a le bar clandestin. Donc on a un bar et on a une brasserie. Voilà. Voilà, donc on a un bar et une brasserie. Ça fait plaisir. Maintenant, on a de quoi écouler un petit peu le stock. Est-ce que là on peut fournir? On va fournir un petit peu. Excellent. Alors, ça fait quoi d'aider tant de personnes? La communauté s'ouvre à vous, mais vous avez encore beaucoup à faire avant de gagner leur confiance. Soyez leur bienfaiteur, augmentez votre niveau de respect jusqu'à 40. Là, vous serez l'un des nôtres. Obtenez, d'accord, astuce. Augmente lorsque vous rendez service à la communauté, par exemple en payant les fonctionnaires municipaux pour qu'ils organisent des événements caritatifs. Moi, le prix des locations des bâtiments de la zone est élevé. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, on pourrait. Boss, ah. On a reçu un message du Ku Klux Klan. Ils ne sont pas très contents de nous voir dans le coin. Ils disent que si on continue à serrer les pompes des gens du coin, ils vont venir nous foutre dehors. Vu que j'envoie un message, foutez le camp habituel ou un spécial. Attacher le message à une grenade et leur envoyer tension plus 2. Non, et un caillou, on va être sympa. Gala de charité, ça vaut combien? 500 balles. Pour l'instant, on va être tranquille. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme affaire à conclure. Il achète 6 armes à feu pour 240. J'ai besoin d'armes. Ma grand-mère a besoin d'armes pour chasser les parasites.
Il n'achète 6 pour 240, ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. Il vend 10 alcools et lui, il achète 50 bières pour 1000. J'en veux vous enfanter. Pour 1000, c'est pas mal quand même. Et on n'est pas loin. Pas quelqu'un qui peut... Je peux pas me fournir chez quelqu'un. Une distillerie, acheter de l'alcool. Il a fini. Ah ouais, 600 d'argent sale. Ça fait plaisir. Il est chaleureux avec moi. On pourrait le racheter aussi, mais ça nous ferait baisser le rendement. Ouais. On pourrait toujours lui faire une fusillade, mais bon, on est cool, nous. On est quelqu'un de bien, nous. Lui, il achète 15 bières pour 170. Ça me paraît pas top. L'autre, il en rachète 30 pour 600, donc... 50 pour 1000, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut améliorer un truc, là? Le rendement. Voilà, un petit peu plus de rendement, ça serait cool. Améliorer, bénéfice... non, ça pour l'instant. On a combien? On a 70 espaces de stockage. Les armes à feu... Il vend cette arme, il en achète pour 240. Ouais, il n'y a pas de... A besoin d'emprunter 1000 dollars, vous recevez 10 paiements de 150, ouais. Et spécial. Ok, ouais, c'est pas très intéressant. Il y a lui là qui est intéressant là, 1000 dollars pour 50 bières, c'est pas mal. Il vend 5 alcools pour 135. Un de mes clients vient de s'offrir une pause détente. C'est pas mal. Pas mal. Ça nous fera de l'alcool et ça fait de la diversité pour le bar. Hein. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu de diversité. On a 35 sur 40 au niveau de respect. Donc le Ku Klux Klan va pas tarder à nous embêter. Voilà, ça ne coûte que 39 de salaire et la fille, elle était à je sais pas combien. Ils vont 20 d'alcool pour 600. Ok, c'est toujours les mêmes. Bon, pour l'instant, on est pas mal. On a perdu beaucoup de sous parce qu'on a investi, mais... Il faut investir, on n'a pas le choix. C'est ouais. 10 alcools pour 300 d'argent sale. Faut pas la racheter, c'est dommage. Bon, on produit notre propre alcool. Il y a la seule brasserie du coin, donc bon. Il a fini. Voilà, il a récupéré de l'alcool. Mais il y en a déjà une partie qui est allée. Ah non, qui est pas allée là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en plus 30 bières pour 330, ça fait pas beaucoup. Il vend 7 armes. 4 armes pour 200, ça vaut le coup là. Les associés d'Atlantic City ont besoin de protection supplémentaire. Qui a demandé un docteur? L'ami, tu me connais. Et lui, du coup? Je ne fais pas dans les flingues, mais j'ai une offre qui ne se refuse pas. Allez, on va le faire parce que ça permet un peu de gagner un peu d'argent. Donc là, peut-être que maintenant, on peut boire. Ça coûte 10 alcools. Baratiner. Pas la peine de me le dire deux fois. On est à... Ah oui, il fallait un niveau de respect assez élevé. On est plutôt pas mal. Ah, des nouvelles offres. Achète 25 bières. Ok, vend 30 bières pour 330, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et là, le 50, on l'a pas. Là, ça vaut clairement pas le coup. Parce que 600 balles, bah, c'est de l'alcool, mais bon. Pas déconner non plus, hein. Bière et plus 15 de respect, boulette de viande plus 10 respect. Ouais, on va rester comme on est. Voilà une bonne raison de trinquer. Et on a récupéré des armes à feu, un petit peu d'argent. Parce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui achète 6 armes à feu pour 240. Dites, l'ami, j'ai besoin d'armes. On va attendre, il y a peut-être mieux. Achète 30 bières pour 330. Ouais, je préfère le vendre à eux. Hein. Si c'est revendre 30 bières, autant fournir le bar à côté. On a tous nos chances.
5 sites intéressants, immeubles résidentiels. Représentation escroquée. Cinq alcools, que nous sommes tués, 500 argent sale, escroqué. Ok, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a un nouveau bar clandestin. Oh cool, qu'on peut fournir. Il va falloir on va demander à lui d'y aller. Ici on a un bureau. Un truc de fonctionnaire, ça c'est cool. Et on a rien d'autre. Et on a un truc là. Sortie de poubelle. Pour gagner du respect, on est à 39 sur 40 depuis tout à l'heure. Donc on pourrait se faire ça. On va attendre que tout le monde soit ok. On est combien au niveau des sous? Ça va. Ça va, ça va, ça gère. Vend 5 alcools pour 135, ça vaut le coup. Un de mes clients vient de s'offrir une. Je suis un peu rouillé, mais ça ira. Armes à feu, achète 14 armes à feu pour 700. C'est pas mal, c'est pas mal. Pose de blanchir en échange. 300 d'argent sale, ouais. L'argent blanchi, j'en ai pas besoin pour le moment. Achète 30 bières pour 600, c'est pas mal aussi. 25 bières pour 200, ouais, ça vaut pas le coup. Là on n'a pas assez de sous et il me manquerait 4 armes à feu et là je préfère un bon petit deal. On va attendre qu'ils reviennent de leur boulot. Voiture d'occasion, 400 balles. Et une nouvelle voiture, c'est 1000 balles. 1000 balles blanchies en plus. Il y en a du nouveau. Niveau de la bière, oui, 30 bières, non, ça a été déjà. Achète 30 bières pour 330, on voit la différence quand même. Je suis pas le boss pour rien. C'est vrai, on a fourni. Un autre message du Ku Klux Klan. Je crois qu'ils sont vraiment en colère. Ils tirent les ficelles à la mairie pour que la police vienne mettre un terme à nos opérations. Qu'on n'aura pas trouvé un moyen de se débarrasser du Ku Klux Klan, de toute façon, on va continuer à monter. Monte d'une étoile par jour, d'accord. Salut mec, il paraît que tu fais des trucs bien dans le coin. Ah. Il était temps que quelqu'un se bouge. Tu veux être populaire par ici, j'ai le club, j'ai la musique et je peux t'organiser la plus grosse fête que vous avez jamais vue. Il y a juste un petit problème, je n'ai plus une seule bière. Certains se contentent de thé ou de café mais aussi ont besoin de quelque chose de plus fort. Porte-moi 60 bières et l'affaire commence. C'est putain, 60 bières mon gars, mais t'es fou. Ça me rapporte quoi ça? Ça me rapporte quoi? Acheter 25 billets. Salut, je suis irlandais et fier de l'être. Et ça veut dire que je dois me descendre une chopine ou deux. Salut, je suis irlandais. Ah oui, c'est lui qui achète, merde. Oui. Il achète 10 alcools, mais l'alcool on en a plus. Il vend 15 armes pour 440 et l'autre il achète. Ouais, là, bah, on est obligé d'attendre. Attends, on en a que 15. Ouais. Ah, il faut obtenir à partir du moment où il nous a parlé, donc... Ces clowns ne faisaient pas le poids. Donc, là, c'est bon. Achète 30 bières. On peut lui vendre les 30, mais on n'aura plus rien. On n'aura plus rien. Ça serait bien de nous faire un... Il n'y en a pas un bureau à louer, là. C'est un local commercial. C'est un bureau, il me semble, pour les distilleries. Hein. Il me faudrait une distillerie. Dommage que là, je puisse pas la racheter. Le bureau, il faut une voiture, acheter de l'alcool, 10 alcools pour 300 d'argent sale. Ouais. S'il y avait un bureau, je sais pas où,
Résidence de célébrité, ah il est là. Un bureau ici. Et là j'avais un truc aussi. Baratiné, on va le faire avec Squig. Ou avec Emmett. Vendre 10 alcools pour 270. Ah, allez. On prend la bière, l'achète. Non, je veux quelqu'un qui vende, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vende la bière. 39$ dépensés. On va prendre une étoile de plus. Est-ce qu'on peut pas arroser la police? Il faudrait qu'on trouve la maison du shérif pour arroser un peu le shérif. Peut-être faire descendre la tension, ce serait bien. Bah, comment je peux faire baisser la tension, s'il vous plaît? Ouais, la police va commencer à nous attaquer à force. Alors, il vend 35 bières pour 335, ça on va prendre. Hey, soldat, on va prendre. Voilà le deal. Tout de suite, boss. On va prendre. Et voilà le travail. On a terminé, on a obtenu un petit peu d'alcool, ça fait plaisir. Je descendrai bien un petit verre. Là, on a réussi à trouver des sites, un local commercial, un entrepôt, ça c'est cool. Acquisition de biens, ça c'est bien. 40 bières pour 400, ça vaut vachement le coup. Et on a le shérif. Demander le faveur, soudoyer. 1000 d'argent sale. Acheter une arme. Doit avoir des relations chaleureuses. C'est fait, boss. On a récupéré de la bière, on en a un petit peu trop. On va peut-être fournir. Voilà. Un vrai patron doit mettre la main à la pâte. Alors qu'il a acheté. Non, ça va. Ça va, ça va. Il achète 9 armes à feu. Ouais. 4 armes à feu pour 200. Les associés d'Atlantic City ont un peu rouillé, mais ça ira. Il y a le local commercial ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on n'a pas vu? L'entrepôt. Ici, on a une brasserie. Et ici, on a encore intimidité, arme à feu. Une peur de 30, et bien on va faire arme à feu. Sans perdre de temps, boss. 600 d'argent sale, ça fait plaisir. Il vend 5 armes à feu pour 150, ça vaut le coup. Hey soldat, je cherche à vendre quelques... Il va falloir que je m'y mette. De la bière, j'ai pas d'homme de main, il achète 35 bières. Bien, on va essayer de garder, on va essayer d'acheter le plus possible. On peut améliorer... Non. Décorer, non, on peut pas juste faire... Voilà une bonne raison de trinquer. Armes à feu. Donc je crois que là c'était qu'il fallait qu'il achetait des armes à feu l'autre. Ils vendent 15 bières pour 150. J'ai reçu une quantité généreuse. Ça vaut allez, on prend. Pour ça. On prend. C'est dur d'obtenir 62 bières parce qu'on a 70 de limite donc. Pourquoi ça pourra le faire? Parce que là maintenant, au niveau des armes, ça nous prenait déjà 20 juste avec les armes. Donc, je n'ai aucun homme de main, mais je m'en fous. Propose de blanchir de l'argent, on s'en fout. Augmentant votre niveau de peur. Réduire la tension de 2 étoiles pour 300$. Ouh, c'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt intéressant ça. En plus, c'est pas trop cher. On va attendre qu'il y ait quelqu'un de dispo pour le faire. Attention de 2, ça serait pas mal parce que là on est limite. On est limite. Qui c'est qu'on a en plus? Achète de la bière, alcool. Achète 4 armes à feu pour 200 encore. Allez les gars, le premier qui revient, je l'envoie baisser la tension là parce que. Faire gagner un peu de temps. Hop. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. A trouver 3 sites intéressants. Allez, spécial. Oh merde, il y est plus. Il y est plus, le salaud. Le salaud, il y est plus.
Il achète 4 armes à feu. Les associés d'Atlantic City ont besoin de protection supplémentaire. Allez, on gagnera un petit peu d'argent. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la banque. On peut faire un braquage de banque, trop cool. Parquez la banque dans une mission de combat, votre attention augmente et vous recevez 5000 si vous réussissez 5000 d'argent sale. Parce que dans les banques, c'est bien connu, il n'y a que de l'argent sale. Seigneur du crime. Et après, c'est tout. Je crois qu'on a tout découvert. Bien un petit verre. On a récupéré un petit peu de stock. On est qu'à 49 sur 60. Ah, voilà. D'une étoile pour 150. À avoir un torticoli à force. Je suis un peu rouillé. On va déjà le faire, hein, ça nous aidera. Propose de blanchir. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, une perte juste de 200 pour du blanchi direct, c'est pas mal. Le rabbin, il est pas mal. Hein. Il achète 10 alcools, invente 10 alcools. Ouais, on va prendre. L'ami, j'ai une petite livraison. Sans perdre de temps, boss. Je fais des affaires, moi. Je suis comme ça, moi. Je fais des affaires. On est à 48 sur 60. C'est pas mal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, on a vendu un petit peu d'armes. La bière, il vend 35 bières pour 350, ça vaut le coup. J'ai reçu une quantité généreuse de bière. Ça vaut le coup, je prends. Il va nous falloir un bon petit stock après, hein, parce que on va tomber dans le rouge. Gala de charité, 500 d'argent sale. Travailler me donne soif. Ok. Alors, achète un bon de l'alcool. Armes à feu, on va essayer d'éviter. Ça vaut le coup quand même. Je veux dire, on va essayer d'éviter les armes à feu, mais. Et ça vaut le coup quand même. Je cherche avant. Laisse le doc s'en occuper. Allez, plus que 10 bières, 9 même. Ah oui, la tension qui a baissé. Oui, c'était ça la mission. La tension qui a baissé d'une étoile. On tiendra un jour de plus. C'est fait, boss. On a récupéré de l'alcool. Ah, espace de stockage plein. 72, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? Ouais. On va vendre 2 bières. Là, ces gens peuvent fournir que en bière et pas en alcool. Ah. Regardez-moi ces minables en train de revendre la bière que je vous ai vendue. Vous devriez leur tendre une embuscade avec vos gars. Tendez une embuscade et vous recevez. Tension moins 2. Allez, on va tendre une embuscade. Parce que déjà, c'est une tension moins 2. En plus, on peut prendre tout le monde. Ça va. 57% de résolution auto. Ça va, on a quand même des chances.